Le cinéma sud-coréen donc à l'honneur sur Filmo. Si j'en ai vu un ou deux je me sens déjà pas mal Vous avez vis de ces films donc c'est l'histoire du pays qui a produit ce cinéma là. Quand on pense cinéma sud-coréen, on pense cinéma sud-coréen contemporain. Hey Kamel Wali, la Corée. Parler. Mais c'est vraiment une obsession. Quel est le preu... Oula, il mue. Oh oh ça commence bien c'est votre rendez-vous cinéma chaque mois sur YouTube avec des invités du débat, des jeux, des cadeaux à gagner. Et au programme de ce nouvel épisode, le cinéma sud-coréen. À quoi ressemble-t-il aujourd'hui Est-il toujours aussi aventureux, fou, dangereux, passionnant Sa popularité a-t-il nuit à sa créativité On en parle dans ce nouvel épisode du studio. On en parle tout d'abord parce que nous avons une très 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 belle sélection de films coréens disponibles sur filmo n'hésitez pas évidemment à vous abonner et on en parle en compagnie de mes camarades invités chroniqueurs et chroniqueuses elle est très partante pour parler de la corée même si on pense qu'il y a eu un petit malentendu quand elle a proposé kamel wali comme invité margot barallon est parmi nous <laughs> Comment ça va Elle a pris le temps de monter, celle-ci. Ouais. Kamel Wali, la Corée. C était, c était. Je la non. travaille depuis <laughs> des semaines. Sa biographie débute par Après des études de recherche en cinéma à l'Université Panthéon-Sorbonne. On va pas se mentir, on n'a pas lu le reste. C'est oh. déjà ce que vous verrez être plus classe dans cette émission. Céline Stas oh. oh Ça commence bien. Céline Staskiewicz. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va bah, Très bien. Merci d'être de m'inviter. De t'inviter, ça heureux, fait très beau. très plaisir. Ça fait très plaisir de t'avoir parmi nous. Euh, Céline, on peut te lire sur Sorociné. Tu es également intervenante Patrimoine auprès des salles. Et tu as écrit sous la peau de Scarlett Johansson aux éditions Rouge Profond. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup d'être parmi nous. Et enfin, Alexandre Matisse, né Paul Hervé Alexandre Matisse en 1948 à Besançon, est un écrivain, photographe et cinéaste indépendant français. Nous, on a l'autre. Alexandre <laughs> Matisse est parmi nous, comment ça va ben, Ça va, mais on me confond des fois. Une fois, je faisais une conférence et une dame qui est venue me voir à la fin me fait « Mais vous n'êtes pas né en 1948 quand même ?» Parce qu'elle avait vu sur Wikipédia qu'il y avait un écrivain. Ah bah Mathis oui, oui. On, y a toi tu n'as pas de fiche Wikipédia, mais non, non, ce non, non. Alexandre Matisse tu a une. Créé, tu peux, pas bon. encore, voilà. Pas encore, bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup les amis Céline, Alex, Margot d'être ici aujourd'hui. Donc on le rappelle pour une émission spéciale cinéma sud-coréen à l'occasion d'une magnifique sélection disponible sur Filmo. On va débattre, on a évidemment tax The Block qui arrive en fin d'émission, on a des cadeaux à vous faire gagner, des très très beaux cadeaux, mais d'abord petit quiz. Petit quiz donc autour du cinéma sud-coréen, on va voir un petit peu où se situent vos connaissances. Alors c'est pas encore Attaque the Block, pour l'instant il n'y a rien à gagner Céline, euh, à part éventuellement le respect de l'Assemblée, mais c'est si peu, c'est si peu, t'inquiète pas. Euh, on va commencer avec Park Chan-wook, réalisateur de All Boy, Mademoiselle ou encore Decision to Live, donc un grand nom du cinéma sud-coréen. Quel film lui a donné envie de devenir réalisateur, selon vous C'est un film européen c'est un film européen, absolument. Genre de la nouvelle vague ou quelque chose comme ça euh, non. Un Bébel Non, c'est pas bebel. un film français. Un film italien euh... Non, anglais. Anglais Un David Lean, non. Euh, non. Pas, pas un truc genre de Non, c'est un film de 1958. Voilà, oh on n'était pas nés comme on dit. Non, exactement. <laughs> euh, 1958, anglais. Fou. Grand un classique suspense. du suspense. Un ah, Hitchcock C'est un Hitchcock, absolument. j'allais for Murder ou quelque chose non. comme ça Ou la mort aux C'est sûr tout simplement voilà le film qui lui a donné envie de devenir réalisateur. Bah, il est original hein. <rire> <rire> oh là là, on est sur un fantasme. Oh là là. Euh, Park Chan-wook toujours quel grand classique américain du cinéma d'horreur a-t-il refusé de remaker Psychose, on va rester chez lui Non, alors plus récent pour le coup et j'avoue, alors je ne connaissais pas cette anecdote, c'est un remake qu'on lui a proposé et je, vraiment j'aurais limite je trouve ça logique qu'on lui a proposé. L'exorciste Non. Qui a été fait finalement ou... Qui finalement a été fait. Et pas qu'une fois. Deux fois pour ah, Halloween. Fois. Non, il a été fait deux fois. Le... C'est pas vraiment un remake. On euh, parle Freddy, de euh, reboot. Les griffes de la nuit. Non. Euh, 1980. Christine Non. Euh... Allez-y. Le prochain volet vient d'être annoncé avec un Français aux manettes. Ah, euh, euh, Evil Dead. Evil Dead, excellente réponse. Euh, ouais. Puisqu'en effet, donc, il n'a pas vraiment été remaké. Ils disent que c'est rebooté. Mais voilà, on lui avait proposé de faire un nouveau Evil Dead. Bon Joon-ho, évidemment, qu'on connaît bien, réalisateur de Parasite, de The Host ou encore de Mother. Il est le deuxième réalisateur asiatique, mais le premier coréen, à avoir obtenu l'Oscar du meilleur réalisateur, pour Parasite donc, qui était donc le premier. Ah. C'est pas John Woo C'est pas John woo Non. Euh, pour ça, info, il l'a eu deux fois. Il l'a eu deux fois Ouais. Anglie. Anglie, oh, absolument. Oui, oui. Anglie. Euh, pour Brockback Mountain en 2005 et pour euh, Life of Pie mm -hmm. en 2012. Que peut-on trouver à Séoul le long du fleuve Han H-A-N. Toujours en rapport, pour info, avec Bong Jun-ho. Un restaurant qu'il a ouvert à... Non. Euh, une figurine de la fi de, du monstre de The Host Alors, figurine, j'ai envie de dire statue, mais... Une figurine de 4 mètres une, une petite figurine de quelques mètres, mais en effet, c'est une bonne réponse, une réplique du monstre de The Host. Euh, Kim Ji-Woon, réalisateur de J'ai rencontré le diable, ou encore Deux Sœurs, il a réalisé en 2013 un film américain, avec quelle grande star du cinéma d'action euh, Quand je dis main. grande stars euh, très grande star. Jackie Chan pas Vandame Pas Vandame, mais vas-y continue. Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, excellente réponse Céline. Euh, c'était pour le dernier rempart en ah 2013 putain, et c'était bon. le et film marquant le retour oui. d'Arnold au cinéma. C'était oh, oui. son premier grand rôle depuis Terminator 3. Quel est le pre... là il mue. <laughs> Quel est le premier film sud-coréen à recevoir un BAFTA? C'était euh... en 2018. Oula. Pas, non, pas Parasite, c'est juste avant. Mm -hmm. euh, euh, burning ah. Non, ce n'était pas Burning. tic -toc, tic -toc. Céline as Non, j'allais dire Mademoiselle, mais c'est. Mademoiselle, trop... excellente réponse, Mademoiselle de, de, le de le Park Chan-Wook. Euh, non, c'est 2018, ah, 2018, je crois. Oh. Oh, ah, 2018. En plus, t'as un petit décalage oui, avec il décalage, ouais, ouais. Peut-être que, peut que le trophée est arrivé <laughs> sur son bureau en 2018. <laughs> euh, c'est perdu par la poste. Tu voilà, vois. exactement. Euh, quelle est la particularité d'un film qui s'appelle L'Amiral de Kim Han-min et qui est sorti en 2014 C'est le plus gros succès du cinéma coréen en Corée. Exactement, absolument. Le plus gros, euh, voilà, le méga carton, euh, toujours Invaincu à ce jour. Et quel a été le premier film sud-coréen à écouler plus de 10 millions de places En Corée. Old Boy Non. Un film coréen. Ouais. Qui euh... est parvenu jusqu'à nous Memories ah, of, oui, Memories oui, oui, of oui. Murder Oui, oui, non, non. Mais oui, parvenu jusqu'à nous, mais ouais. non pas Memories of Murder. Mmh. Ainsi connu, je dirais, de genre 2016. Ah, dernier train pour Busan. Dernier train pour Busan. Excellente réponse de Céline Staskevitch. Hey wow. euh, Voilà, c'était le petit quiz donc pour entamer le débat. Débat, donc, je le rappelle, autour du cinéma sud-coréen à l'occasion de l'arrivée d'une très belle sélection sur Film. Le cinéma sud-coréen, donc, à l'honneur sur Filmo, mais quel cinéma sud-coréen exactement On l'a dit, euh, alors évidemment, le cinéma sud-coréen existe depuis euh, des années et des années, des décennies et des décennies, on l'a dit dans les années 2000, euh, on en parlait d'ailleurs durant le quiz, il y a de grands réalisateurs qui se sont fait connaître avec de grands films qui ont engendré évidemment tout un tas de, euh, de, de suiveurs ou de disciples ou de clones. Euh, quand on dit cinéma sud-coréen, on parle de quoi Est-ce qu'on parle d'un pays principalement qu'on parle d'une façon de faire éventuellement. Je me tourne d'abord vers toi, Céline, Céline Staskiewicz. Je le ferai pas quinze fois finalement. <laughs> Céline, c'est très bien. Sinon, Céline, peu, allez, euh, allez, soyons fous. Euh, je pense que du coup, quand on parle de cinéma sud-coréen, surtout avec un point de vue euh, de spectateur occidental, on a surtout en tête une esthétique assez particulière, avec des codes très définis. J'ai en tête, par exemple, un montage plutôt cut, euh, mm -hmm. des émotions des personnages assez exacerbées, ou alors euh, un mélange des genres dont on n'a pas forcément l'habitude à l'intérieur d'un même film euh, en France. Et euh, je pense qu'on a aussi en tête une histoire nationale qui est très riche et très complexe, euh, qui, euh, dont le cinéma sud-coréen met souvent en scène, donc soit de manière plutôt nationaliste, soit de manière plutôt mmh. euh, censure, euh, de manière censurée, un peu cachée. Ouais. Et, euh, et de cette histoire-là naît une influence de plusieurs pays, donc le Japon forcément parce que la Corée a été occupée, les États-Unis avec... Euh, après la Seconde Guerre mondiale ou même l'Europe avec l'arrivée de la télévision, parce que des réalisateurs comme Bong Joon-ho racontent qu'ils ont vu des films de la Nouvelle Vague euh, qui étaient censurés à la télévision, mais qu'ils ont quand même vu et qui les a influencés. Donc je pense qu'on a tout ça en tête et c'est cette richesse-là qui fait que ça nous fascine autant mmh. euh, actuellement. Une forme de patchwork finalement. C'est ça, quasiment. exactement. Alex oui, je pense que je reviens quand même sur le côté. Tu dis le cinéma sud-coréen existe depuis longtemps, mais quand on pense cinéma sud-coréen, on pense cinéma sud-coréen contemporain des années 2000 au tournant. Celui-là dont on va parler, évidemment, parce que l'arrivée de films jusqu'à nous, comme Memories of Murder, ont été un tournant même mm -hmm. dans notre regard de spectateur. C'est-à-dire que d'un coup, ce pays est apparu sur notre carte de cinéphile, alors qu'avant c'était un coin peut-être pour quelques personnes qui s'y connaissaient, mais pour vraiment. Le boy en 2003, pour l'adolescent voilà, euh, que j'étais, c'était un truc, quoi. exactement. Et donc avant, on avait le cinéma de Hong Kong, on connaissait un peu le cinéma chinois, un peu le cinéma japonais, mais en Asie, le cinéma sud-coréen est arrivé à ce moment-là. Et puis euh, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de cinéma de genre mais il y a aussi euh, plein plein d'autres réalisateurs comme Hong Sang-soo qui font des choses très mm -hmm. différentes. Moi je vois surtout un cinéma très très critique de ces institutions et très très critique de ces euh, de sa démocratie même. Beaucoup de corruption dans ces films, enfin de sujets sur la corruption, beaucoup de gens qui sont incapables de prendre des décisions de Memories of Murder à Tunnel mm -hmm. qui est sorti il y a quelques années qui racontait comment des gens étaient bloqués dans un tunnel routier et comment il fallait prendre des décisions et comment l'incompétence des gens pouvait avoir des des conséquences dramatiques, on voit ça dans The Host. Bref, tout le cinéma sud-coréen contemporain, quasiment à un moment, parle de ça. The Adjunct aussi, etc., etc. Donc, je ne sais pas ce qui travaille réellement sociologiquement la Corée pour en parler tout le temps, mais c'est vraiment une obsession. Et l'autre chose, il y a une sorte d'angle mort sur la Corée du Nord. C'est-à-dire que la Corée du Nord, forcément, est présente parce que ben, l'histoire dramatique du pays, c'est qu'il est scindé en deux. Et en même temps, ils en parlent pas si souvent. Dans The Agent, ils en parlent parce qu'il y a des agents doubles. Dans un film s'appelait Entre deux rives de Kim Kidoux il y avait le sujet, mais vous remarquerez que c'est pas si souvent sur euh, le sujet et, et ça m'intrigue, moi. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Euh, tu posais la question est-ce que c'est un genre Est-ce que mmh. c'est un pays Pour moi, c'est d'abord un pays. Et c'est l'histoire du pays qui a produit ce cinéma-là. Le cinéma, donc, après la guerre, euh, la guerre de Corée euh, qui finit en 1953, euh, à ce moment-là, il y a une industrie du cinéma qui se met en branle. La Corée est une dictature complètement inféodée aux États-Unis euh, et euh, il décide de sortir plein de films parce qu'en fait, euh, il décide de mettre en place une loi qui est assez incroyable pour l'époque, euh, qui est la loi du 2 pour 1. Donc pour un film étranger distribué en Corée, on va sortir deux films coréens. Bizarrement, les États-Unis acceptent. Probablement en se disant qu'ils vont pas tenir le rythme et en fait ils ont tenu le rythme. Alors évidemment ça a donné beaucoup de merde, mais ça a aussi donné une industrie, non mais une industrie qui euh, qui, qui qui au moins était sur les rails. Et puis comme c'était une dictature, ça a donné be donc beaucoup de censure évidemment, notamment sur la Corée du Nord où il fallait faire absolument des films nationalistes euh, et donc euh, la, la Corée du Nord, il était hors de question de montrer autre chose. Que du, du, du très mauvais. Mmh. Et ce qui est très intéressant, c'est que à partir de là, en fait, les films ont très rapidement été politiques. Et tu le disais, Céline, souvent euh, sous, sous le manteau, mais, euh, mais les, les réalisateurs sont habitués à cette contrainte et habitués, justement, je trouve, à avoir un propos politique très très, moi que je trouve très virulent mmh. en réalité, et qu'on retrouve vachement dans le cinéma euh, coréen plus contemporain. Et alors, quand on parle de cinéma sud-coréen euh, contemporain et plutôt populaires, comme par exemple, évidemment, Bong Joon-ho, euh, Palme d'Or et Oscar, bon bah voilà, c'est évidemment, évidemment pas tous les jours. Est-ce que c'est -ce est seulement pour le grand public la, la partie émergée de, immergée de l'iceberg Parce que c'est vrai que finalement, euh, on, ce que le grand public semble retenir, est-ce que c'est pas un peu les films violents avant tout, comme All Boy, comme euh, Parasite Est-ce que euh, finalement, il n'y a pas tout un pan immense du cinéma sud-coréen, qui est malheureusement un petit peu moins, qu'on qu peut retrouver d'ailleurs entre autres sur Filmo, qui est un petit peu moins traité. Céline bah, Oui, je pense que du coup forcément, nous, ce qui nous arrive, c'est qu'une infime partie de, de, cette, de ce cinéma-là, et surtout que, comme on le disait, ça fait que 20 ans qu'on on a des films sud-coréens mmh. dans les cinémas en France, en tout cas c'est mon impression, du coup, euh, le, je pense que depuis le cinéma sud-coréen date de... 1919, je crois, le premier film. Donc, il n'y a plus un corpus de plus de 8000 films. Si j'en ai vu 1 ou 2%, je me sens déjà pas mal vis-à-vis <laughs> -vis de ces 8000 films. T'en forcément... as 2%, t'as bien bossé. Ouais. ouais, je trouve. Pour cette émission, j'ai tout <laughs> En 4 <quatre> jours. En <laughs> quatre jours ouais. Et donc, euh, forcément, on, on a un biais. Euh, on, on regarde ce cinéma-là avec des biais. Et il y a ce, ce biais-là qui dit que le, le cinéma sud-coréen est... est basé sur des films de genre, donc par exemple Le Dernier Train pour Busan, mmh. pour, euh, pour les films de zombies, ou, euh, ou Bittersweet Life pour les films d'action, ou euh, Le Bon, la, la Brute et le Cinglé pour, ouais. les, films, pour les westerns, et tout ça euh, un, imbibé de beaucoup de violence quand même, et en plus comme c'est des genres qu'on a du mal à investir en France, je pense que c'est ça qui nous intéresse, mais il y a un vrai revers de cette cinématographie qui nous parvient aussi, je pense que c'est des films plus de festival avec des réalisateurs tels que Im Kwon-taek ou euh, Lee Chang-dong plus récemment ou Hong mmh. Sang-soo, c'est des films qui reçoivent des prix et qui sont montrés à l'international et où on peut pas dire que la base des films de Hong Sang Soo c'est la violence j'ai pas vu beaucoup de sang j'ai pas vu beaucoup de zombies mais j'ai pas vu tous ces films donc ça se trouve j'ai raté quelque chose mais il faut dire qu'il en sort à peu près 12 par an c'est ça donc si ça se trouve il y a un petit zombie qui se cache quelque part mais en tout cas c'est un peu le revers de la cinématographie autre que la violence oui puis même Parasite c'est pas il y a une explosion de violence ah, qui finit par oui, arriver. Oui. Mais c'est pas un film euh, d'action euh, violente euh, à la Oldboy non plus. Et puis, et puis elle parlait de plein de styles de films quand même, des, des westerns, des films d'horreur, des choses comme ça. Donc ça mixe plein de choses. Et quand tu parles de, de gens comme Hong Sang-soo ou Li dong ce sont même des stars de festival quand même. C'est-à-dire mm. que si Berlin, Venise ou Cannes n'a pas son Hong Sang-soo, c'est presque étonnant. Mm. Euh, tellement ce sont des stars. Donc même dans, un, dans une niche, ils ont leur succès, ils ont leur popularité. Mais oui. est-ce que du coup, c'est pas en quelque sorte, alors il faut que je choisisse mieux mes mots parce qu'il y a forcément des fans qui vont, euh, qui vont me taper dessus, mais est-ce que, mine de rien, une fois que le cinéma sud-coréen est devenu aussi populaire, aussi distribué en festival comme en salle, aussi célébré avec Palme d'Or et Oscar, est-ce que finalement il ne devient pas de fait peut-être moins aventureux ou moins intéressant C'est-à-dire, est-ce que. Ça a encore du sens de parler aujourd'hui de la grande vitalité du cinéma sud-coréen, comme on le fait depuis 20 ans. Est-ce que cette vitalité est toujours là C'est toujours la même Céline bah, Je pense que c'est vrai qu'il y a un petit risque d'américanisation du, euh, du cinéma sud-coréen, notamment euh, avec l'arrivée des plateformes qui uniformisent un peu euh, l'ensemble. Euh, mais euh, c'est vrai que là, par exemple, en 2023, toutes les plateformes ont annoncé un, des financements massifs pour produire du contenu original euh, mmh -hmm. sud-coréen. Euh, Pas finaux. <laughs> non, mais ça va venir. Ça va venir. Si vous vous abonnez un peu plus. <laughs> mais forcément, suite au, au succès de Squid Game, ça, ça a donné des envies de, de, de faire des produits similaires. Mais ouais. euh, et c'est vrai que là, il y a des langues de réalisateurs qui se délient un peu, qui, qui se plaignent d'avoir des contraintes, notamment esthétiques, où on leur demande de faire énormément de gros plans, pour, parce que quand on regarde sur un téléphone, c'est plus parlant d'avoir ouais. le gros plan. Ou alors, sur les scénarios de... de, de, de d'avoir des, des, un contenu plus qui conviendrait plus à un public occidental. Donc forcément, ça fait un petit peu peur, mais je pense aussi que dans les contraintes naissent euh, la créativité et je fais confiance aux cinéastes pour, euh, pour réussir à, à dépasser tout ça. Et je ne pense pas que les derniers films qu'on ait, qu ait vus comme Decision to Live, enfin, c'est les plus célèbres, mais en tout cas, il y a de l'audace et il y a de l'inventivité mmh. à l'intérieur, je trouve. Alex Oui, euh, moi, je trouve quand même qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux noms qui ont l'air d'émerger depuis quelques années. C'est-à-dire que c'est quand même les grands noms qui reviennent. Euh, les Park Chan Woo justement continuent de faire des films, etc. Il y a quelque chose aussi d'intéressant à observer, c'est comment est-ce qu'ils vont ou pas aux États-Unis et comment ils s'en sortent. Je fais un petit parallèle avec euh, les cinéma, le cinéma Hong Kong à une ouais. époque où tous ces réalisateurs comme John Woo et tout sont allés plus ou moins se casser quand même les dents à Hollywood, ou en tout cas artistiquement c'était compliqué pour eux. Même ça s'est si bien passé un temps quand même. Ça s'est bien passé un temps, mais on, on voyait très ah bien ouais. que c'était pas toujours facile de faire la. la Par mais veulent Bien sûr. volte-face tout le temps volte-face c'est mon seul argument, c'est volte-face Nicolas Cage, John Travolta, volte-face Mais il y a eu quelques bousasses aussi à côté de ça. Il y a eu win Talkers peu de temps après, mais il y a eu. Attends, attends, Moi Gros sujet Alex, t'as lancé un devant. Il y a eu Broken Arrow, volte-face Mission Impossible 2. Il peut bien faire win Talkers après. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est très bien win Talkers. Non, non plus. Non, non c'est mais... pas très bien, mais <laughs> j'ai beaucoup d'affection pour ça. <laughs> je comprends, je comprends. Et du coup, comment les, les, les Sud-Coréens peuvent arriver à faire des films bah, quand Park Chan-wook qui va aux États-Unis, euh, il fait euh, Stalker, si mon nom. Mon... Stalker, Stalker, ouais. ouais. Qui est un film esthétiquement très très intéressant, mais qui marche pas complètement pour moi. On ai voit que euh, Bong Joon-ho a des problèmes pour son nouveau film euh, parce qu'il serait ou moins annulé par la Warner, on verra ce qui ouais, ça, ça devient ou dans ouais, les mois ouais, ouais, Peut-être qu'il y aura des infos d'ici la diffusion de, de voilà, cette donc, émission. Mais... On verra comment ça se passe. Mais son Snowpiercer a été extrêmement réussi. Mais c'est un, un financement en partie français. C'est vrai, vrai. Donc il euh, y a aussi ça, c'est que vont devenir ces grands noms du cinéma coréen dans l'avenir, et pour voir s'ils arrivent à garder ce niveau de, bah de, de, de quasiment de génie pour certains. Mais alors là où moi je trouve intéressant et où on voit émerger quand même quelque chose, c'est aussi sur euh, les immigrés sud-coréens aux états unis euh, si on prend le film Past Lives, par mmh. exemple, mmh. Euh, qui est sorti en euh, fin 2023, euh, qui, euh, qui était vraiment euh, excellent et, et qui est signé de Céline Song, c'est son premier euh, long métrage, et, euh, et où avant ça, il y avait eu Minari en mmh. 2020 aussi. Et là, on voit en fait une génération aussi de... de Américano-sud-coréen, euh, mais qui racontent des histoires euh, de déracinement, qui sont aussi justement, qui se confrontent à, à, leur, à leur culture d'origine et tout ça. Et là, il y a des choses très, très intéressantes. Donc, euh, moi, je, je, je pense qu'il y a quand même les moyens pour que ce cinéma euh, propose autre chose. Et même sans, sans parler euh, de, de ces souvent enfants euh, d'émigrés, mmh. si on prend un film comme About Kim So-hee, qui est mmh, sorti l'année dernière, qui est qui n'a rien du tout d'un film d'action, qui parle vraiment de la Corée, en l'occurrence des, des, des difficultés du monde du travail coréen. C'était absolument passionnant et euh, c'était quelque chose... Euh, qui était euh, qui, voilà, qui, qui, sans américanisation, sans redite, vraiment euh, très intéressant. Et un point commun du coup entre la Corée et les États-Unis, parce que tu parlais de ce film-là, c'est leur capacité à très vite rebondir sur ce qui fait leur actualité dans le pays, ouais. ce qui fait des ouais, drames, oui. et notamment donc mmh. là, c'est sur le harcèlement dans le milieu euh, professionnel, etc. Le cinéma coréen a cette capacité à très vite rebondir sur ce qui fait l'actualité. Mais du coup, qu'est-ce qui peut justifier qu'on aime euh, Wind Talkers <laughs> euh, juste avant de passer à Attack the Block, euh, est-ce que vous avez un film sud-coréen de cœur Une préférence Moi j'avoue, c'est Memories of Murder. C'est pas ah, très original, mais euh... j'aime passionnément ce film. J'aime passionnément Bong Joon-ho. Ouais, je suis un excentrique. Mais <laughs> gros, je suis un gros déglingo parce que je vais dire The Host. Ah, ouais. wow. c'est ce qu'il y a le long du fleuve Anne ah, C'est pas une, une figurine <laughs> que nous avons donc ramené non pas du <laughs> tout pas du tout euh, zios très bon choix Céline euh, moi je vais être plus exotique je vais faire la servante de Kim Ki young qui est mm -hmm. un film de 1960 mais qui a inspiré Bong Joon Ho pour Le Parasite donc c'est pas si euh, et il y avait un remake ça. de Im Sang Soo euh, à peu près à, la même époque, euh, à peu près dans les années 2010 2012 ah, que je n'ai pas vu du coup et qui, qui est, est beaucoup est... moins bien mais qui est qui est super en tout cas il y a il un escalier comme ça qui, qui montre la différence entre les classes euh, ouais. supérieures et les classes euh, considérées comme inférieures qui est... et c'est génial c'est bien noté, Margot. Euh, C'est dur, dur, dur de choisir, mais je vais quand même choisir Burning. De Li Chang, donc okay. que vraiment moi j'ai adoré, qui m'a euh, énormément marqué au cinéma euh, et qui est euh, justement euh, pas euh, ni un film de zombies ni un film où les gens courent pendant des heures et il y en a d'excellents. The Chaser mm -hmm. est un excellent Bien film, mais, euh, mais vraiment ce film je le trouve magnifique. Ils ont repris euh, la musique d'ascenseur pour l'échafaud dans une scène sublime de danse que je conseille à tout le monde. Eh bien, merci beaucoup, merci Margot, merci Céline, oui. merci Alex. On passe à Attack the Block dans quelques instants, juste avant de jouer. Euh, N'oubliez pas donc une très belle sélection euh, de cinéma sud-coréen dispo sur Filmo. Euh, juste avant Attack the Block, on a des petits cadeaux à vous faire gagner, vous chers téléspectateurs et téléspectatrices. Euh, on peut dire téléspectateurs sur YouTube. On n'est pas à la télé. On est... Et on n'est plus dans les influenceurs. <laughs> on, le on peut le dire. Et on ne va pas oui. dire viewer. On n'est pas sur Twitch non plus, tu vois. J'ai des vieilles. Oui, oui ah, Bon, j'ai des pas. vieilles influences. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <laughs> euh, Nos amis de Extra Lucide, distributeur qu'on adore ici, vous offre des cadeaux assez foufous, pas moins de trois films Dead End, Drive-In, Vœux sanglant et Sony Boy. Eh ouais, tout ça a gagné en une seule fois. Comment participer C'est extrêmement simple. Il suffit de vous abonner déjà à la page YouTube de Filmo. Et en commentaire de cette vidéo, eh bien, il va falloir m'aider. Euh, je ne connais rien, mais alors que dalle à la K-pop. J'ai entendu parler de BTS. Je, pour moi, ça veut dire behind the scenes déjà. Et euh, je crois n'avoir jamais entendu une seule de leurs chansons. Alors, fan de K-Pop ou pas, conseillez-moi en commentaire de cette vidéo la chanson, pas le groupe. Hein. Je veux le groupe et la chanson qui pourrait le plus me plaire selon vous. J'irai tout écouter. Pour info, je suis très oasis Beatles. Euh, voilà, ça peut vous donner une... Euh... Bon courage. Voilà. Euh, J'écouterai évidemment votre sélection et la chanson la plus belle découverte pour moi remportera donc euh, les cadeaux, euh, des très beaux cadeaux de la part de nos amis d'Extra Lucide. Vous êtes un peu k vous Vous avez vendu un truc à me conseiller ou pas Pas du tout. Je ne gagnerai pas le cadeau. Et bah je, et bah... Mais je connais BTS et Blackpink. Très ah ouais. bien. Ah oui, Blackpink, ça me dit quelque chose. Ouais. Bon, très clairement, je compte sur vous, pas sur eux. Euh, à vous de jouer. Tu fais bien. C'est tout simple. Et maintenant, on passe à Attack the Block. Attaque The Block, vous connaissez désormais euh, les règles. Je vais quand même les rappeler pour euh, les nouveaux venus et pour toi, Céline, puisque c'est ta première participation à cette émission. Euh, c'est un jeu qu'on a créé spécialement pour le studio. Le principe est assez simple. Il faut trouver le titre d'un film. Un film à la fois très connu et dispo sur Filmo. Cela peut aider dans la réflexion. Pour trouver ce film, j'ai trois blocs, chacun constitué de trois mots. Je ne cite chaque bloc qu'une seule fois et vous n'avez le droit. Je me tourne vers toi, tu connais les règles par cœur. <laughs> et vous n'avez le droit qu'à une seule proposition par bloc, ok, okay. Je compte les points. Il euh, y a six films à trouver, donc on pourrait être sur euh, éventuellement une égalité parfaite. Si vous ne trouvez pas la fin des trois blocs, comme indice supplémentaire, je donne l'année de sortie du film. C'est clair pour tout le monde mm -hmm. C'est clair. On essaye. On allez, essaye. on est, allez, on se lance. On se lance. C'est parti. Premier film, premier bloc. Étienne. David Lou. Au premier bloc, faut pas hésiter à proposer en général. Euh... Oui. Avec Etienne, David et Lou. Ouais, <laughs> exactement. En général, je propose Joy. <rire> jamais... <rire> voilà. Moi, je dis toujours voyage au bout de l'enfer et c'est jamais pas... ça. Alors, ce n'est pas voyage Merci. au bout de l'enfer. <laughs> euh... On peut passer au deuxième bloc si vraiment vous avez rien. Passons. Enfin, à moins que ouais. Vincent, François, Paul et les autres. Ce n'est pas Vincent, François, Paul et les autres. Deuxième <laughs> bloc. Clop, cancer, mort. Dallas Bayer Gramme. Club Alors, ce n'est pas 21 grammes et ce n'est. Dallas Bayer Club Non, ce n'est pas Dallas Bayer Club. La fumée fait tousser. Ce n'est pas fumé fait tousser, non plus. Troisième bloc. Flashback, César, Zabou. Alex, Alex, tu peux la voir. Mmh. Je connais ce petit terre là. Mmh. Oh putain. Ah, Je pense que celle-ci elle est pour Alex Matisse, ouais. qui a l'air vraiment, Parce vraiment. Elle sera pas pour moi. <laughs> Ça me revient pas. Ça me non, pas. Ça me Céline, pas. rien Thank du Dieu. tout. Margot, année de sortie 2008. C'est pas elle l'aimait, non, c'est pas celui-là. C'est quoi, non Non, j'allais dire elle l'aimait, mais non, c'est pas... Ce pas elle l'aimait. Ce n'est pas elle l'aimait. J'ai proposé quelqu'un Non. Quelqu non. C'était le premier jour du reste de ta vie. Euh. Voilà, flashback, César, Zabou, Zabou. J'allais dire, non, mais je l'ai pas vu. Et si je l'ai vu, donc je n'ai ben voilà. aucune excuse. Aucune excuse. Euh, petite anecdote dans le film, il y a Fleur qui relate dans son journal la mort de Kurt Cobain le 5 avril 1994. Sauf que à moi, on la fait pas. Son décès n'a été découvert que le 8 avril. Donc wow. ce film ne tient y a un faux pas la route. <laughs> mais il est dispo sur filmo. Allez. <laughs> Allez, deuxième film, premier bloc. <laughs> Détective, pulsion, classique. Basic Instinct Ce n'est pas Basic Instinct. Liaison fatale. Ce n'est pas liaison fatale. Les incorruptibles. Ce n'est pas les incorruptibles. Deuxième bloc. Truffaut, double, suspense. Truffaut Truffaut, euh, Truffaut est moins non, un indice voilà, pour, euh, pour le, pour le, le film. Mot faut oublier. Ça se trouve, c'est les magasins Truffaut. Truffaut moins un, non, Truffaut est moins un indice peut-être. Truffaut est moins un indice sur le film que sur le réalisateur. Céline non, j'ai bloqué sur Truffaut, du coup j'ai même plus les autres mots. À bout de souffle. Ce n'est pas à bout de souffle. Euh, l'amant double. Ce n'est pas l'amant double, <laughs> Céline. Non. Non. Troisième bloc, ça va aller vite je pense. Vertige affiche sueur. Vertigo vertigo. vertigo, le point est pour Margot, exactement, absolument. Truffaut, c'était tout simplement pour Hitchcock. La fameuse conversation ça, bah entre oui. Truffaut et Alfred Hitchcock. Un point pour Margot. Je note un petit M. <laughs> Allez, on continue. Euh, une petite anecdote, si vous voulez, sur, oui, sur ben, Freud. C'est dur. Hein. Euh, la dur. séquence de générique d'ouverture conçue par Saul Bass euh, en fait le premier film à utiliser des graphismes générés sur ordinateur. Ben, C'est beau. Figurez-vous. Eh ouais. Allez, on continue. New York, été, regard. Fenêtre sur cours Bien joué. Alors là, franchement, alors là, bien joué. Il y des J'ai vérifié. vérifié euh, ah, comme Alex, très bien. Euh, je le savais, j'ai vérifié. Je pensais que qu'enchaîner avec un autre Hitchcock allait être un peu confusant et en fait, non. Non, oh non, moi je connais euh, deux réalisateurs ouais. Trifot et Hitchcock, j'en connais pas d'autres. C'était met... bel et bien fenêtre sur cours. Petite anecdote sur le film qui est dispo sur Filmo comme sous les films d'Attack the Block. Euh, pendant le tournage, Hitchcock travaillait uniquement dans l'appartement euh, de Jeff, le personnage principal. Euh, les acteurs et actrices des autres appartements portaient en fait des écouteurs de couleur chère, Il leur demandait de se déplacer à distance incroyable anecdote moi c'est ce que je préfère en fait dans ce jeu c'est l'anecdote après. elle ne donne aucune réponse juste pour qu'on arrive voilà. un petit peu vite à l'anecdote euh, un point pour Margot un point pour Alex Céline rien n'est rien perdu rien n'est perdu je suis prête pour le reste lutte née Juste au corps. Foxcatcher. Non, ah, non, je l'avais, non bien, bien joué, bien joué, bien joué. <laughs> Deux points pour Alex. Excellente réponse. fox catcher de Bennett Miller. Euh, dernier film en date, mine oui. de rien, de Bennett Miller. 2014, quand même. Ouais. On a hâte d'en voir un autre. Bah, ce serait bien, mais a priori, c'est pas tellement prévu. D'après ce que j'ai trouvé, il travaille sur un documentaire sur le thème des technologies futures. Voilà, apparemment, bon, il s'intéresse... Beaucoup moins au cinéma euh, et beaucoup plus. L lequel à, euh... des deux referait une fiction, Peter Jackson ou lui avant <laughs> Je bah, pense que va. les deux sont en retraite quasiment. Bah, bah, c'est possible, c'est possible. Mmh. Allez, il en reste euh, tout, tout, est encore jouable. Il en reste 3. deux, ah. euh, trois. Non, non deux. il en reste deux. Non, non, il en reste deux. On vient d'en en fait faire quatre. Ouais. Allez, assez vite. Eh ouais. Mmh. 50 Noël crime. Dayard Non. Le père Noël est Non plus. Je sais pas! Au <laughs> De... melon! Pas au melon, non! Maman, bah j'ai à ce n'est pas ça. Secret, musique, comédie. Il est un peu tordu, je vous l'accorde. <laughs> Tout comme toi, mon cher. Tout comme moi, absolument. <laughs> Huit femmes. Excellente oh réponse de Céline, bien joué. Huit femmes. C'est parce que je vous ai écouté l'émission. Ah, ah, bien joué, bien joué. Euh, huit femmes, donc de François Ozon. Euh, François Ozon, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'un épisode du studio, qui est toujours disponible sur YouTube. Et pour la petite anecdote, euh, le film perdant dans les douze catégories des Césars où il concourt, le film bat alors le record établi par Coup de torchon comme étant le long métrage ayant reçu le plus de nominations. Sans remporter vrai. un seul prix, il a, été, euh, il a été dépassé depuis par Camille Redouble. Oui. Camille Redouble, 13, 13, 13, nominations, 13 nominations et 0 César. C'est la Fédération française de la Loupe. qui a Exactement, cette exactement la fameuse FFL euh, dont je suis membre. Photographie 12, famille. Blow-up Ce n'est pas blow-up. Blow-out. Ce n'est pas blow-out. Euh, <rire> <rire> Enfance, adolescence, Harry Potter. Excellente réponse de ça Alors là, alors là bien, joué, bien joué Bien joué, bien joué C'était Boyhood, exactement de Richard Linklater qui pour la petite anecdote avait choisi sa fille Lorelai euh, pour jouer le rôle de Samantha dans le film parce qu'elle, vous savez la gamine qui chante et qui danse tout le temps et en fait le tournage s'est donc étalé euh, sur 12 ans et en cours de tournage elle en a eu marre et elle ne voulait plus jouer dans le film donc elle a demandé à son père à ce que son personnage soit tué il lui a dit que ce n'était quand même pas l'idée du film et que bon, <laughs> c'était un chouïa plus feel good. Euh, finalement, elle a retrouvé son enthousiasme et elle a pu participer au film. Un point pour Alex Matisse, deux points, non, non, deux points pour, pour Margot. Alex. Pardon, pardon. Euh, C'est moi la dernière. Un point pour Margot, deux points pour Alex, deux points pour Céline. Bravo, félicitations. Euh, les cadeaux Vous voulez des cadeaux des Oui, cadeaux. oui. Est, des cadeaux, évidemment. Alors, on va commencer, on va commencer par toi, euh, Margot. Je sais que tu ne l'as pas vu. Et c'est vachement bien. Mais rendez-vous avec Léo, euh, avec euh, Emma Thompson, Thompson pardon, et Daryl McCormack. C'est un très beau film. Et je t'offre également un exemplaire d'un excellent magazine qui s'appelle Raymond, le magazine des gens de Est-ce que Jamboles. je ne l'aurai pas déjà chez moi parce que je l'ai déjà acheté je... C'est possible. Et bah, celui-là, il est gratuit du coup. Il est mieux. Il encore meilleur. Voilà, exactement. Tu peux le relire. Euh, ensuite, on continue. Alexandre, tu as gagné un excellent oh, exemplaire pas. du magazine Raymond, dans lequel tu as écrit, mais que tu n'as peut-être pas lu. Je n'ai pas lu. Euh... Et alors attends, attends, tu as également gagné. Il y a une Attention. certaine pression en fait. Ouais. -ce que tu... tu as également gagné. Paranormal Expérimentation c'est un guide pour entrer en contact avec les esprits. Euh... Ça peut m'intéresser pour entrer en contact comme ça et avoir les réponses à Attack The Block. Et bah Peut-être pour le non, prochain mais tournage. C'est avec ça les bien. esprits, du coup. Voilà, exactement. <laughs> oui, mais peut-être que les esprits auront les réponses, ils peuvent lire Céline, ou quelque chose comme ça Féline, bravo, tu as gagné un excellent magazine wow. consacré au stand-up qui s'appelle Raymond. Euh, C'est également disponible à l'achat, n'hésitez pas. Euh, J'en ai encore beaucoup chez moi, ce serait bien que ça parte. Hein. Mais euh, tu as également gagné euh, Leila et ses frères. C'est ah, un film magnifique. Alors, ouais, ouais. On, se, on se fait offrir des bons films. Ça arrive. C'est très arrive. Bizarre, ouais, 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 Un très bon film. Et <laughs> euh, Fall, préparez-vous au vertige ultime. C'est par les producteurs de 14.7 Meters Down. Ouais. Voilà. Tu es okay. gâté. Vous Merci. êtes toutes gâté ah, Merci beaucoup en tout cas euh, d'avoir participé à cette émission. On le rappelle donc, une, une sélection pardon, de cinéma sud-coréen disponible sur Filmo. Juste avant, euh, juste avant de se quitter, puisqu'il va bientôt falloir hein, se dire au revoir. Euh, carte blanche, carte blanche pour vous. Euh, un choix, un seul à retrouver sur Filmo. Moi personnellement, j'aimerais vous conseiller Saya Zamurai, le troisième long métrage du réalisateur japonais Hitoshi Matsumoto, est sorti en 2012. En gros, c'est l'histoire d'un samouraï déchu qui a 30 jours pour faire rire euh, le fils du seigneur, euh, le fils qui ne rigole plus depuis la mort de sa mère. S'il n'y arrive pas après ces 30 jours, il devra se faire ses poukous. Voilà. Il ouais, que... y, ouais, y, y a plus de pression qu'à attaque <laughs> The Block. Il y a plus de pression qu'à attaque The Block Franchement, non. <laughs> c'est un, film... <laughs> un film drôle, c'est absurde, c'est d'une tendresse folle et c'est dispo sur Filmo. Ça s'appelle Saya Zamurai, Céline, ton choix. Moi, je voulais vous conseiller du coup un documentaire qui mm -hmm. s'appelle 78-52. Ouais. Euh, du coup, c'est un documentaire d'une heure et demie sur les 45 secondes de la scène de psychose. Donc ouais, pour... Je l'ai vu, il est excellent. Pour tous les cinéphiles un peu obsessionnels comme moi, c'est génial de voir qu'on peut parler autant d'une scène qui est si courte. Et du coup, le titre, c'est pour 78 plans pour de coupes. Exactement, et c'est dispo sur Filmo. Alex euh, Je crois qu'on n'a encore jamais parlé de Tony Scott dans cette émission. Et, et je pense et que c'est une immense erreur donc on va parler de Déjà Vu qui voilà, est un de ces ouais, films a un peu sous estimés de cette grande période années 2000 euh, Voilà, euh, après Man on Fire Déjà Vu qui est un thriller qui utilise une technologie euh, futuriste qui ressemble en fait à des caméras de télévision donc il y a tout un truc sur la mise en scène de cinéma et pour l'anecdote à l'époque j'avais pas été attiré par le nom de Tony Scott quand il était sorti mais par le nom d'Harry Gregson Williams le compositeur parce que compositeur de Metal Gear Solid et que je suis une immense femme et je suis un peu entré en Tony Scott mania grâce c'est ça, ça. Ok. Donc, ouais. Et très bon film. Trop bien. Margot. Moi, je vous conseille L'adieu de euh, Li Wang, euh, qui, euh, qui est un film qui raconte l'histoire de Billy, une écrivaine euh, d'origine chinoise, mais qui vit euh, euh, aux États-Unis. Et c'est un peu ce dont je parlais avec cette génération coréenne qui vit aux États-Unis. Là aussi, elle, elle s'est coupée. Euh, c'est une histoire très autobiographique hein, de la réalisatrice. Et euh, bah, elle s'est complètement américanisée. Elle, elle, a, elle a grandi dans ce pays-là. Et là, elle apprend que sa grand-mère est malade, mais que conformément à ce qu'on fait souvent en Chine... Sa famille ne le, le lui a pas dit, elle oui. le lui cache, mais décide de, de, en fait, d'organiser un mariage, de prétexter un mariage pour faire une grande réunion familiale puisque c'est peut-être la dernière fois qu'ils peuvent la voir. Et donc, euh, toute la famille rentre en Chine. C'est euh, très tendre, euh, très émouvant, amusant aussi, euh, évidemment, parce que c'est quand même un gros ressort comique, euh, cette, cette histoire de maladie non avouée. Et aussi, justement, ce choc un peu des, des cultures. Et ça raconte vraiment un, un déracinement, comment on reste soi euh, euh, quand on a ben, de fait un peu abandonné euh, c sa culture d'origine. C'est vraiment, vraiment euh, très, un film très touchant, très délicat. Merci beaucoup, Margot. Merci infiniment. Merci beaucoup, Alex. Céline, merci, merci. C'était un bonheur, euh, un bonheur de t'avoir. Euh, on se retrouve le mois prochain mm -hmm. donc, pour un nouvel épisode du studio. D'ici là, pardon, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à Filmo, à la page YouTube de Filmo. N'hésitez pas à, à commenter cette émission, à dire si ça vous a plu ou si ça vous a vachement plu. <laughs> on se retrouve évidemment le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Dis donc, on va y arriver. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous, bye bye.